On dit la prière. La mentalité, il y a ban et belé, pe basal et belé, basali, ou pe saloukoum, on a mis ça là, il y a pe ça. Nous t'en sommes très reconnaissants, Père Céleste, kokoti kamoussali na yoti. Ce qui va causer à mon kilion, la kokanisaka, na kotanga ba anal na bango comme on a été il y a quelque part quelqu'un qui a fait du bien mais il n'a jamais été récompensé. Nous parlons de Mardoché. Yahweh roi tangwazel kotanga kotaki que il y a un hébreu qui a fait du bien mais babou saraki. J'ai recommandé, et roi a recommandé, Bako Kakola Tse Bilama, Yamutuya, Bako Kakota Moussaye, Nikola Yafunda, Pefil Mobimba. Ce qui battu à Moukine Bako Kaisabongo, et toi, Seigneur des Seigneurs. Rosalie Koulikake, moi, Nana Yokora Bisso, Azali Pena Bar, Nana Yokora Moussala. Kanisa ye kolo ya biso. Ote zoto na ye e bate la ma. Pe, azana place ya repo en attendant la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dika,
ma fonde ya bandeko la sali na yo na oyanga toza ko sangi sango estika moko o mal kola lilo ba moko on a coupé sur le kumu et Yahweh siri ko yamba musali na yo mais aussi ko mongisa déjà estika ya ye ko fanda na kina bonne bongo na kunima na kumule sisomba teni. Amen. Amen. Il y a un autre service. Il n'y a pas les successeurs sont succès. Il n'y a pas une union de partage avec ses œuvres. Mais dans les successions de Papa Diou, la personne qui a succédé Papa Diou est là. On va compter avec ses œuvres. Papa Diou est là. Mais ses œuvres sont restées. Il y a quelqu'un qui peut dire à tous les signes avant savoir. Il est fait conseiller à la personne dans la communauté qui est une des discours. C'est lui qui est le fondateur de l'histoire de l'église spirituelle au Congo et sa communauté existe différemment. C'est ton idée de la communauté de Nino. Nous allons appeler au Dieu Dieu. Nous avons la pasteur Nia Kapol. Il est un tant que papa Zana Bomoui a pas tombé malade, à Zana Kielongo, il est un peu plus disciplinant dans la communauté. L'église spiritualiste du Congo est ce qu'on a signé. Mais ça n'est pas que ça nous dit que ça, il y a beaucoup qui ont été dans la salle où il y a un apôtre de l'Union de chaque vision, il y a une communauté. La madame dit que le Thomas a été dans la salle. Il y a un bon homme qui a passé la carte de la vision à Tomate. Il y a quelqu'un qui a été calibré et qui a été calibré. Thank you.
papa du nouveau. Cette biographie est intitulée « Œuvre en héritage ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes premiers invités, bonjour. J'ai reçu la douloureuse mission d'adresser au nom de la famille du Lille un dernier hommage à l'illustre très cher grand-père qui est papa Youn Tomo. Il nous quitte après une longue période de maladie qui lui a évapé après sa force, mais sans atteindre sa mère intelligence. Ce sont les dernières consolations terrestres, celles qui doivent nous être plus claires à l'heure de la mort du Dieu à mort. Car il a senti jusqu'à sa fin l'amour de ses proches, il a pu songer à son œuvre et à la voir derrière elle, l'homme de sa femme. Par cette œuvre si personnelle et si diverse, c'est-à-dire avec sa femme, maman et Marie Fouma, paix à son âme. Je vous prie de rester une minute de silence pour honorer sa mémoire. Par sa carrière si droite et si belle, papa Youn Tomo a vraiment utilisé les dons magnifiques qui étaient en lui, donc la procréation, dont il nous laisse comme une œuvre en héritage. Par la suite de cette œuvre, nous voyons une famille si nombreuse dont nous citons. De sa première génération jusqu'à sa troisième génération. C'est-à-dire, il a eu ses fils, ses petits-fils et les arrière-petits-fils. À sa première génération, il a eu 13 enfants, dont 5 enfants déjà décédés et le 8 sont en vie. Nous avons 5 garçons et 3 filles. À sa deuxième génération, nous sommes au nombre de 26, 12 enfants. Enfin, à sa troisième génération, ils sont au nombre de 20. Papa Youn Tomo est né en 1937, marié à maman Marie-Louise. Il a étudié dans une école normale dans la mission des Congolais au Congo central, où il finira et il a obtenu son brevet et il sera embauché à Kinshasa, à Litigome, comme chef des ouvriers. Il est fils de papa Van Axel et de maman Ilula Sophie Sophila. Originaire du secteur Mumulwala, territoire Mouosi, village Ikumba Totiskisankela, district de Cataracte, dans la province du Congo central. Il était rendu en Europe, en Angleterre, avec sa femme en 2007, sur l'invitation de son fils, je cite, Diouloubilouka Thomas Tons, pour un long séjour. Il était croyant chrétien à porte de l'église spirituelle qui nous créait depuis 1968. Il est la première personne qui aurait initié le groupe de fanfare dans la commune de Makala à l'encadrement de la jeunesse. Il est aussi promoteur d'une école complète scolaire et l'ARG à son sein. Plusieurs membres de sa famille et ceux qui ne le sont pas. Donc la liste n'est pas exhaustive. En outre, il était un père accueillant. Il est sixième dans une fratrie de 8 enfants. 4 filles et 4 garçons, dont celle, la cadette en vie et les 7 autres décédés. En guise de ce qui précède, sur la terre des humains, papa Youn Tomo a vécu pendant 80 ans. Comme la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste 8, chapitre 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il y a point de délivrance dans ces combats, point de citation. Papa Youn Tomo, tes œuvres seront aggravées dans nos mémoires à jamais. Maintenant, ce que nous pourrions dire à notre
papa, à notre petit frère, à notre bon père, que son âme repose en paix. Je dis et je vous remercie. Cela veut dire quoi?
Donc, au sein de la Nayamate, il y a Abombaka, nous connaissons pour que Tonda, en tout cas, a réagi. Wana et Zaraki, moi, je m'attends, je n'ai pas voulu que voilà l'école. Parce que je suis son directeur. Moi, je suis directeur de l'école, et je suis un complexe scolaire Guillaume. Ça a mis 20 ans, depuis 98 jusqu'à 2018, ça a mis 20 ans dans le complexe scolaire Guillaume. L'école a été créée en 1994. Donc, l'école Yulu, c'est l'école qui a été formée et belé. Tu as formé par la Mouchouchi Bazar, ma université, ma députée, ma sénateur, donc, c'est une grande école, parce qu'on néglige un mot à temps de quitter. Donc, le papa était vraiment le promoteur. Parce que, maintenant, moi, dans ma carte, vous allez dans les écoles privées. Vous allez dans le complexe scolaire Yulu. Et puis, dans le complexe scolaire, dans le groupe scolaire Gombo. Donc, il y avait des enfants qui venaient dans le complexe scolaire Guillaume. Donc, pour l'école, en tout cas, papa Guillaume a sali et belé. Donc, Nissala Nae, et Tikali, il y a moins de Ezoko Loba la place Nae. Alléluia! La balise, il y a une ligne des alliés à Koloba. Ceux qui n'ont pas lié en haut, ils sont amis. Dans un missionnaire, les autres ont témoigné à contre Dieu. À Koki Kozinda, dans ma belle, dans l'outé, ça qui est témoigné. À contre Dieu, il a accueilli, mais à contre Dieu, il a Zali. Les gens de Kouaouti Koloba, Awa, à Zali Mouma. Dans un moment où on a dit, on a permis à qui il a papa à porter de nous. Dans une mission, il a 86 ans. On a dit, il a dit, la coma qui n'a pas de précisément dans Mwanda. La soka qui a pas de moussouana. Tu coûtes à la papa, tu y a mani la papa. La bandi moussana la la, la colambi sama, la grand frère la yé. Asa sou la comorité, tu dégâts qui est la oba yé yé, patrimoine, à Matengo, à partir à Matadi. Bago babunda ki ba gero oyo oloka ya Hiroshima na Matadi. Azape papa nga ça on est pour visiter na ebo ta na ye na ko kuta na papa portre. Ta on a kuta na papa portre de yulu na koti na lupambu to sala ki biso mi bale na moninga na ba. Ta on to koti na lobi papa na ye koluka kolo église papa ya responsable la paroisse oyo. Papa le dit que Aza a waté. Quand mon papa m'a dit que je suis en train de me dire 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 que là, il n'y a pas de paix, on est rentré dans la zone A. Les fêtes de maman, c'est à Zaraki. Quand on va mon émission, on dit papa, on va dire caca, on est à l'oubamba, on est à l'oubamba, on est à l'oubamba, on est à l'église. Alléluia! La porte à qui l'église, nous avons mis sur pour révéler la carte d'église. Papa, le dit, le corps à la mon émission, la petite communauté, et c'est quelque chose à la main. La ligne la moukousse et l'autre oyo n'a pas papa depuis 1986. Naza et pas la porte de Youn. N'a pas de l'autre moi ma casse. On a mon même famille, même pas la balle de la côté. Il y a un moment où il y a l'obéra.
papa oyo zomona aza kuto nzamba salela. Alléluia. Alléluia. Quand on a la porte, nous avons souvent la grâce. Nous avons souvent la porte. Nous avons souvent la papa a souvent la porte. Nous avons 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 souvent quand papa m'a dit que nous, moi, le corps aux alliés, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons papa, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons alléluia. A dit, il y a un peu de temps, et si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu la chaîne, quand on a gagné la signe, si nous savons, nous sommes qui rapport. Bien aimé, et l'autre, on a eu la salle pour t'être la bonne à papa. A dit qui nous savait de lui. Et pas il y a là. Dans la grâce, on a juste à tomber la tour à sa gueule. N'est-ce que mon thé a été, autant la matériel est. Mais et l'autre, on a mon livre. Est-ce que Bino a dit qu'elle a mort, tout reçu la mort. Papa, Azara qui m'a dit linga. Attends, on s'en va à mouquet, à son papa. Attends, on s'en va à son bengayo maman. À son respecté. Après, si on a eu conseil, on a eu un azana mot, qui le loue. A lui, moi, là, la moussala ou l'examen. Pour linga, on m'a dit, bambou, bambou. Pour mettre à côté, bambou, bambou, sinon, tu es à la passe qui faut que la juive conseille wana, yamonde et zota monalaga, tine loyo, nengi na zota mola. Bana na zota moussa, na ebi sarabago, soki nzamba revene la ide, na zane loko mouga la bonu mate. Parce que loko papa pesi miso matoy, alobi koni la teba mona yo na miso matou, ke yo zambo ye, me linga nzamba mona yo. Yako témoignage na la, nengi na za awa. À sa paix, on a bâti sa tika. Alléluia. Alléluia. Quand on a gagné la retraite dans Vouloulou, papa, tu te n'as pas le roba, là, lui, papa, la zosara, nous salons d'âme, mais nous avons baptisé. Amen. Amen. Azili sa tika na maï, paix, la joie qui bâtissimo, n'a pas de l'âme. Que son âme repose à paix. Les gens qui ont été mis en train de se faire, ils ont été mis en train de se faire. Ils ont été mis en train de se faire. Ils ont C'est là. We'll be right back.
Les voyants, 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 les vo
Thank you.
Les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Fin des citations. Et les travaux du pasteur Diulutona de Thomas, pasteur à l'église spirituelle congolaise en sigle ESCO, que la mort nous a ravis depuis le dimanche 15 décembre 2019. C'est l'accablement, l'abattement et la douleur, une douleur plus éloquente et une perte pour laquelle nous vous exprimons notre sympathie. Chers amis et proches du défunt, nous pleurons aujourd'hui une énorme perte et le vide qui laisse le pasteur Thomas Diulu n'est pas prêt d'être comblé. Territoire de Luozi, secteur de Mongoloala et village Kikumba. Il est venu au monde le 1er juillet 1935 à Kilanda. C'est aujourd'hui et ici à Kinshasa, l'un des terres d'origine qui s'en va dans la béatitude de l'éternité, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels sa défunte épouse, en nous quittant soudainement, en quittant plutôt soudainement ce monde, le dimanche 15 décembre 2009, comme d'ici haut, à un âge respectable de 84 ans, laissant derrière lui les cœurs brisés de vous tous qui étaient encore attachés à lui, surtout ses enfants, ses petits-enfants, à leurs petits-enfants, pour qui nous avons aujourd'hui des pensées particulières. Simplicité, détermination et distinction pour ce bâtisseur, ce qui lui a valu l'admiration et la reconnaissance de beaucoup d'entre vous. Ce que nous avons fait, outre ses charges pastorales, Papa Thomas était un menuisier. Chers amis, quand on pose la question à certains d'entre vous de nous dire en si peu de mots ce qu'ils savent de pasteur Thomas Diulu, ils répondent tous en cœur, il était un homme de foi et excellent dans la prière, un homme au grand cœur, pétri d'amour et de générosité. Il prenait l'attachement à la prière. Voilà le souvenir inoubliable que le pasteur Thomas Diulu a gravé une pierre inéligible dans le cœur de chacun d'entre vous, tous ici réunis aujourd'hui pour le rendre ou lui dire combien il va vous manquer. Très chère famille, ainsi rassuré ce jour qu'il repose en paix et qu'il est transformé pour une vie éternelle. Vous n'avez plus jamais cherché à rendre visite au pasteur Thomas Diulu à son domicile situé au numéro 14A, l'avenue Mayonsi, quartier Limba Village, dans la commune de Makala, ni à la sortie du culte de dimanche à l'église spirituelle congolaise ESCO en sigle, toujours dans la commune de Makala. C'est donc ici, dans cette vestité dédiée à nos chers disparus, la nécropole de Kinshasa, que vous reviendrez, car son corps reposera désormais dans le quartier Orion, sous la vallée 5, au numéro 46 de la rue des Rêves. Je reprends la nouvelle adresse. Très chère famille qui vous revenez souvent, et non seulement attendre le 1er août, journée officielle des morts en République démocratique du Congo, pour les visites et le refleurissement de sa sépulture. Le 29 au numéro 1303-33 de la rue des Rêves. Les visites, c'est toute l'année sans exception, tous les jours sans exception, c'est-à-dire du lundi au dimanche, et cela de 9h à 16h, et lesquelles visites, très chères familles, sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la Nécropole et ses partenaires,
autorité de Bibi Kinshasa. Nous renouvelons à vous sa famille si présente l'expression de notre vive sympathie. Maintenant, nous allons confier le corps du pasteur Thomas Dioulou à cette dernière bien-être générale tout en souhaitant qu'elle soit douce et légère. Nous pouvons lui dire au revoir dans l'enchère à Césaü, à Wanyanga. Et nous allons dire tout simplement Papa Dioulou Thomas Wenda Kiambote. Je vous remercie. Un excellent week-end. Merci beaucoup. Nous allons devoir accompagner le pasteur Thomas Dioulou avec des chants de gloire à l'Éternel. Il fut un pasteur. Il est question qu'on puisse l'accompagner avec des chants de gloire à l'Éternel. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges en adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Et où je pars? Et ce jour-là, Éternel Tout-Puissant, nous te remercions. Quartier, le Père Tout-Puissant. Hier, avant-hier, tu nous as donné Papa Dioulou, qui est notre père, notre oncle, notre grand-père, notre fils et notre arrière-grand-père. Aujourd'hui, nous voici, tu viens de nous lever, celui qui a été cher entre nous. Tu le récupères, tu l'as convoqué aujourd'hui, tu l'as fait appel aujourd'hui. Nous, la famille, et tout le monde qui s'est mis à venir lui rendre dernier hommage. Nous allons récupérer ce qu'il a connu à Kinshasa pour refléter l'image de la famille Kinkoumba ici à Kinshasa. Il a été l'unificateur, le modérateur, le planificateur et il a été au sommet de tout. Et nous demandons aujourd'hui dans notre famille Kinkoumba cet esprit qu'il avait d'abord au départ, que cet esprit reste dans la famille pour que la famille soit en paix. Nous demandons au Seigneur Jésus de nous venir en secours, comme vous l'aimez, comme vous l'avez aussi envoyé.
vous l'avez envoyé pour nous encadrer. Et cet esprit-là d'encadrement doit rester entre nous, afin que nous aussi, nous puissions suivre l'exemple d'en haut, d'être comme lui. Il t'a servi depuis sa jeunesse jusqu'aujourd'hui. Spirituellement, et l'évêque Nkoumba Ntoutkissa, dans le cadre spirituel, avec tous les Mbouta qui étaient à Kinkoumba, les Tatanganga, surtout les, eux qui les aient, lui qui les a invités, restez à jamais. Amen. 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 Misala ya tomaji yo le papa na lore tikali yango etika ko eba ko ganga e ganga nzambe papa na lola na yebi te nzambe papa e loko nyoso to oyo moto alonaka na mukili yango nde avukaka eza mokolo moko koyeba koseki sango mpe koyeba komona nkembo na yo etonga etikali nzambe. Les abissos m'agacent pour tout ça dans le salon. Les abissos pour les gens. Donc, on a un peu de temps. On parle de nos actes. C'est une immense. Maintenant, comme dit. Alors, on a l'amour et la paix. Au fond de mon cœur, je sentis cette voix, à vous maintenant les enfants, d'être soudés, l'unité, c'est que l'esprit de moi, la paix et l'amour de l'État, pour que le nom de votre papa demeure à chaque fois. Amen. Nous voulons faire la dernière prière. Non, c'est pas où t'as ma tasse, pointe noire, c'est pas où t'as bras, c'est pas où t'as wab. Mais alors, comme il y a moi, dans moi, en dedans. Le papa dit, il y a un mot, il y a un lingo, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Mais ceux qui m'ont dit, il y a beaucoup de tics là. Je suis un homme qui a été un homme. Mais papa te rebondit parce que Dieu le dit. Où tu as rendu ma belle peuple ressemble à na ma belle. Toi yo koko ça m'a quand on jamais pas moi na yo dit ton radio au pesa qui mission. Bon papa te rebondit puis le dit en toute circonstance. Bon pesa ka merci pas dans ça. Ya mon papa te merci au merci. On a volé mon na yo na nga. Bon c'est que nous sommes dans nzambe ngale qui malade qui la kimia. Le côté papa yo se dit nanda pour na ya super. Tika le comme ça pas na yo pour te faire malade nzambe. La qui retourne biso ya ou na boko na yo. Ngé to na kimia. Nous sommes en train de faire des choses. Ok, non. Amen. Amen.